Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai reçu un colis, mais non pas surprise, de ma copine Sandrine, parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer un petit colis avec un mug de Marie des Aristochats qu'elle cherchait chez Primark. Donc, elle avait trouvé une pour elle et elle en a pris une pour moi. Donc, je trouve ça super gentil d'avoir pensé à moi, ma belle. Ça me fait vraiment plaisir. Je te remercie du fond du cœur. Mais apparemment, ça lui a pas suffi de m'envoyer juste ça. Donc, elle m'a envoyé un colis comme ceci. On va découvrir ensemble le contenu. Donc, tu n'étais pas obligée, ma belle. Tu sais que j'ai vraiment beaucoup de mal à recevoir des colis parce que je n'ai pas l'habitude. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir que tu penses à moi. Donc, on va ouvrir tout de suite et voir le petit contenu. Donc déjà, pour commencer, j'attrape un petit coussin comme ceci qui est trop chou. Je vais le mettre sur mon lit, ça c'est sûr. De chez Primark, il est vraiment trop beau. J'adore en plus. Marie des Aristochats, merci du fond du cœur. Ensuite, j'attrape une magnifique pochette. Franchement, t'es une coquine. T'as vraiment bien caché ton jeu. En plus, elle est super grande. Elle est magnifique. Vraiment une jolie pochette. Pareil. De Marie. Vraiment jolie. Merci beaucoup. Ensuite, il y a une petite carte comme ceci. La petite tasse. Marie, oui, mais autre chose avec. Merci d'être ma copine youtubeuse. J'ai énormément de chance comme quoi les réseaux sociaux apportent pas que des mauvaises rencontres. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse, ma belle. Et c'est vrai que YouTube et les autres réseaux sociaux apportent parfois des personnes qu'on n'a pas envie de voir ou ni de parler, mais on fait des magnifiques rencontres comme toi et d'autres copines que je me suis fait sur YouTube également, que j'embrasse. Ensuite, je vais prendre donc ceci qui est lourd. Je pense que ça doit être la tasse. Je vais ouvrir directement devant vous. Franchement, Sandrine, t'exagères. T'exagères vraiment. C'est pas un swap, ma chérie, qu'on a préparé ensemble. Hein. Une petite tasse et des pinceaux, il s'est rendu à énormément de choses. Donc il y a ceci qui est un masque pour dormir. J'ai toujours du mal à dire un masque. Voilà. Donc, je crois que c'est pour dormir. Oui, il y a les petits attaches à l'arrière. Il est super joli en licorne. Ensuite, mais non, mais tu es folle, franchement. Tu es un amour, Sandrine. Tu es vraiment un amour. Donc de chez Black Opium de Yves Saint Laurent, il y a un fluide hydratant pailleté pour le corps, comme ceci, qui est à 50 ml. Merci ma belle, franchement, t'es un amour. Ensuite, il y a un fard à paupières léger, comme ceci, de la marque Joyce. Je pense que ça se dit Joyce, qui est vraiment une jolie couleur, qui est le 8C1, comme ceci. Vraiment magnifique, merci beaucoup. Ensuite, il y a un vernis, la petite robe noire, délicieuse, brillant, comme ceci, le packaging. Voilà, franchement, c'est de trop. Il est magnifique, magnifique. Franchement, merci beaucoup. C'est le 01. Quand je te dis que tu es trop généreuse, il faut pas. Ensuite, de chez Marc Jacob, j'attrape un petit lip crème, rouge à lèvres crème, comme ceci. J'adore Marc Jacob, surtout les petits rouges à lèvres. C'est pas mon anniversaire, hein, ma chérie. Puis c'est pas un swap non plus. Celui-ci est le 246. Il est magnifique. C'est des couleurs que je porte. Donc je suis super contente. Merci mon chéri d'amour. Ensuite, de chez Estée Lauder, voilà,
Donc c'est un lipstick rouge à lèvres également. Celui-ci est le 260 Skip Fleach. Je dis toujours les numéros, mais je donne jamais vraiment la vraie couleur parce que je suis nulle, mais archi nulle en anglais. Il est super beau. Vraiment, le packaging est magnifique. Oh, la couleur! Waouh, la couleur! Trop beau! J'ai jamais testé, je crois, les rouges à lèvres Estée Lauder. Je pense que ce serait une première pour moi, donc je te remercie. Toute façon, après, je vais t'envoyer un message pour te dire que j'ai bien reçu ton petit colis. Ensuite, une petite pochette Dior comme ceci. Ma chérie, je pense que tu sais de quoi je parle. C'est trop de cadeaux, trop. Ah non, ah non, c'est trop gentil. Je suis folle. Je suis trop contente, franchement. Une miniature de Dior, de j'adore. Enfin, j'adore de Dior plutôt. Et la boîte. Le packaging est juste sublime, franchement. Merci ma chérie. C'est que des magnifiques cadeaux. Tu aurais pas dû, franchement, tu aurais pas dû. Je vais remettre pour pas qu'il se salisse dans sa petite pochette. Tu es vraiment une cachottière, moi je te le dis. Hein. Vraiment une grosse cachottière. Ensuite, j'attrape une pochette comme ceci. Enfin une pochette, un paquet comme ceci de chez Lancôme. À l'intérieur il y a donc c'est un blush oui, donc c'est un blush rose beige comme ceci. Voilà. Qui est magnifique. Également comme ceci. Merci ma belle. Et celui-ci, il est de c'est Karl Lagerfeld. Donc j'ai jamais testé cette marque. Je te remercie ma chérie. C'est de trop hein. Franchement, c'est de trop. Ensuite, donc il y avait une petite palette comme ceci de chez Sephora que je vais pas ouvrir parce que j'ai déjà des palettes et je veux pas l'abîmer donc je vais la garder fermée. Bon, enfin tout le monde connaît ces petites palettes qui est magnifique. Il y a 50 couleurs à l'intérieur pour plus de 2000 looks. Voilà. C'est très joli. À l'intérieur, il y a des rouges à lèvres, des fards à paupières et blush, bronzer, highlighter. Merci ma belle. Ensuite, de la petite boîte, il y a encore du papier, donc je m'excuse pour le bruit du papier. Voilà, comme ceci. Et à l'intérieur, il y a une palette Urban Decay. Mais tu es folle! Donc, oui, elle m'a parlé sur Instagram, elle m'a dit la coquine. Tu as déjà eu cette palette? Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle était jolie et tout. Elle m'a dit qu'elle en avait eu une qui était cassée. Et maintenant, je la retrouve dans ce petit colis. Donc, ça veut dire quoi? Que tu as fait une commande et puis que tu me l'as envoyée? Ou tu avais fait déjà la commande? Parce que je crois pas que tu avais déjà fait la commande. Ça a été un peu court. Hein. Mais merci, franchement, c'est de trop. Tu me gâtes trop, Sandrine. T'es un amour. Franchement, un amour. Si j'arrive à la sortir, super dur. Maintenant, je suis en train de mettre tous mes doigts partout dessus. Elle est coincée, elle est coincée. Je voudrais pas la tenir ni la casser. Je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être pas y arriver en fait. Je vais peut-être essayer de la sortir par l'autre côté. Oui, facile l'autre côté. Donc la palette, tout le monde la connaît. Hein. Je viens de mettre mes doigts un petit peu partout. Elle est déjà marquée. Je vais vous montrer l'intérieur. Elle s'ouvre comment?
faut que je cherche. Je crois qu'elle se, oui, elle se coulisse sur le côté. Tout le dessus s'enlève en fait. Et vous avez les fards qui sont magnifiques de chaque côté, comme ceci. J'ai le miroir en plein milieu. Merci, ma Sandrine. Franchement, c'est de trop, de trop. Tu m'as trop gâtée. Elle est magnifique. Merci du fond du cœur. Pour tous ces cadeaux d'ailleurs. Merci énormément. Ensuite, j'attrape le petit paquet comme ceci. Je crois qu'il y a un petit Sandrine. D'accord. Il y a un petit papier à l'intérieur, mais je pense pas que ce soit pour moi. Et pour finir, il y a donc comme ceci la petite tasse qui est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. Je vais m'en servir quand je ferai des lives. Moi aussi, je prendrai une petite tasse à café ou à thé. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je te fais d'énormes bisous, ma Sandrine. Il fallait vraiment pas, c'est vraiment beaucoup trop. Tu es quelqu'un de tellement généreuse, qui a tellement un grand cœur et qui est une de mes grandes copines de YouTube. Et je te fais d'énormes bisous et je vous mettrai le lien, bien sûr, de sa chaîne en barre d'infos. N'hésitez pas à passer la voir et vous apprendrez à connaître une personne formidable avec vraiment un grand cœur, énormément de gentillesse et qui est pour moi une très grande amie. Et je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!